Bonjour, bienvenue dans notre deuxième jour du programme de remobilisation du dos. Nous allons commencer comme le premier jour, à quatre pattes, en faisant notre dos creux de rond, les épaules au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux, les genoux écartés largeur du bassin. On creuse le bas du dos, on emmène le coccyx vers le plafond, on lève la tête, vous inspirez à fond. Et vous soufflez, on fait le dos rond, on pousse entre les omoplates, la tête est lourde. On y retourne. On creuse le bas du dos, on inspire à fond. Et on souffle, on laisse tomber la tête, on pousse entre les omoplates. Et on fait le dos rond. On va venir poser nos fesses sur nos talons. On relâche les coudes, on relâche la tête. On inspire à fond, on envoie l'air dans le dos pour faire écarter les vertèbres. Et au contraire, on va venir souffler et on va venir faire de l'extension. Vous l'aurez compris, ça sera nos deux exercices pour réchauffer, réveiller l'organisme. C'est un exercice que vous pouvez faire tous les matins au réveil pour décomprimer vos disques et pour habituer votre organisme à faire un petit peu d'extension. Une dernière fois. Extension. On rentre le menton dans le cou, on s'agrandit, on sort les deux clavicules vers le plafond. On revient se positionner à quatre pattes. Et nous allons passer sur la chaise. Je vous laisse vous asseoir sur votre chaise. Et nous allons étirer tous les muscles de l'avant-bras, des épaules et des trapèzes. On va commencer par le bras gauche. On emmène les doigts vers le plafond, on tend le bras. Et je vais vous demander de faire de l'inclinaison droite de tête, donc l'oreille droite vers l'épaule droite. Attention, on ne lève pas l'épaule vers l'oreille. C'est l'oreille qui descend. On le fait 5 fois du côté gauche. On emmène les doigts vers le sol. Et même principe, inclinaison droite. L'oreille droite vers l'épaule droite. On peut ramener les doigts au cou. Et nous allons faire de l'inclinaison globale. 2. 3. De cette position, nous allons passer de l'autre côté. Bras droit tendu, les doigts vers le plafond. On incline vers la gauche. Oreille gauche vers épaule gauche. 5 fois. On ramène les doigts vers le sol, on tend le bras. Vous allez voir que celle-ci amène un peu plus de tension. 3, 4 et 5. De cette position, nous allons passer debout et nous allons travailler nos extensions et nos flexions. On attrape nos deux coudes, on les laisse tomber en avant et on se sent lourd. Et comme la première fois, on vient faire ce qu'on appelle des circumdictions. Des petits cercles de la gauche vers la droite. On essaye de laisser tomber la tête, les bras. Si vous sentez que ça tire trop dans les jambes, on plie les deux genoux. On le fait de l'autre côté. De cette position, on pose les mains au sol. On se redresse, on pose les mains sur les tibias, dos plat. On redescend. On souffle, on laisse tomber la tête. Et au contraire, on pose les mains sur les tibias. On fait le dos plat. On inspire. Et de cette position, on se redresse. Souvenez-vous, chaque posture amène une contre-posture. Nous avons fait pas mal de flexions. Nous allons partir sur de l'extension. On croise les bras dans le bas du dos, en arrière. Et on tire vers le sol. Et on y retourne.
On tracte vers le sol, on noue les clavicules vers le plafond. Et on fait de l'extension, on avance le bassin. On met les mains sur le bassin et on vient faire des petites rotations. Ok. Nous allons retravailler nos rotations en mettant la jambe gauche pliée, la jambe droite tendue. Souvenez-vous, la cuisse toujours parallèle au sol, le genou au-dessus de notre cheville. On tend les bras et nous allons faire de la rotation gauche. On revient au centre. Si on perd un petit peu l'équilibre, c'est normal. Et on y retourne. Rotation gauche. Vous soufflez, on rentre le menton dans le cou, on essaie de s'agrandir. On peut poser les mains au sol. On change de jambe. On se redresse. On tend les bras. Et nous allons faire de la rotation droite. On revient au centre et on fait de la rotation droite. Très bien. De cette position, nous allons passer à plat ventre. On vient mettre les mains sous les épaules, on plie les coudes et on se repose. On vient mettre le dos des doigts de pied sur le sol. On vient lever les bras et on va lever les jambes. On rentre un petit peu le menton dans le cou et on essaye de s'agrandir. Et on va rester là 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez poser les jambes. On rapproche les bras sous les épaules et je vais vous demander de faire de l'extension. On tend les bras, on ouvre les deux clavicules vers le plafond, on rentre un petit peu le menton dans le cou et on essaie de s'agrandir. On replonge en avant, on lâche les mains, on les lève du sol, on vient faire de l'extension et on tend les jambes. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. On repose et nous allons poser les coudes au sol, lever le bassin et nous allons nous mettre en position planche. Le bassin n'est pas trop bas, il n'est pas trop haut, il est à mi-hauteur. On rentre le menton dans le cou, on essaie de s'agrandir, de s'étirer et on reste ici. 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si c'est trop compliqué, si c'est trop difficile pour vous, je vous invite à poser les genoux sur le sol. Nous allons poser les pieds sur leur partie latérale et partir sur le côté droit. Le bassin se rapproche du sol et on reste ici 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se remet au centre. Si vous commencez à trembler un petit peu, c'est normal. C'est le but de cet exercice. Et on part sur le côté gauche. Toujours 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On passe à plat ventre. On ramène les mains sous les épaules. Et je vous invite à pousser les coudes. Et on souffle. On va venir ouvrir les clavicules. Rentrez le menton un petit peu dans le cou et on s'agrandit. De cette position,
Nous allons passer sur le dos. Nous allons tendre la jambe gauche vers le plafond. Élevez le bassin. On redescend. On remonte. Deux. On redescend. On remonte. Trois. On descend. On remonte. Quatre. On descend. On remonte. Cinq. On descend. On change de jambe. Donc on va pas trop loin sur les exercices. On est sur des exercices de débutant, de réchauffement musculaire. On monte vers le plafond. On descend. On remonte. On descend. On remonte. On descend. On remonte. On redescend. Et la dernière. On remonte. Et on redescend. On pose les deux jambes au sol. Et nous allons mettre notre cheville gauche sur notre cuisse droite. Avec nos deux bras, nous allons accrocher le genou. Je vais vous inviter à inspirer à fond. Et quand vous expirez, vous posez la tête en arrière sur le sol et vous ramenez le genou vers vous. On relâche, vous inspirez. Et vous soufflez, vous ramenez le genou vers vous. Encore une fois, vous inspirez. Et vous soufflez, vous ramenez le genou vers vous. Trois fois. On change de côté. On inspire à fond. Et on souffle, on ramène. On inspire à fond. Et on souffle, on ramène. On inspire à fond. Et on souffle, on ramène. Très bien. De cette position, nous allons étirer les parties latérales de notre organisme, de notre buste. Pour ce faire, nous allons plier notre jambe gauche, comme ceci, plier la jambe droite, comme cela. On pose la main droite au sol, et je vais vous inviter à amener la main gauche vers le plafond, et partir en inclinaison droite. L'idée va être de poser le coude sur la droite. Vous inspirez. On souffle. Vous inspirez. On souffle. On change de jambe. C'est la jambe droite qui va venir en dessous. La jambe gauche qui va venir au-dessus. Et même principe, on vient poser le bras gauche au sol, le bras droit vient vers le plafond, et au contraire, on part sur le côté gauche. Vous inspirez, on pose le coude, et on souffle, on part sur l'inclinaison. Encore une fois, vous inspirez, et on souffle, on part sur l'inclinaison. On finit notre séance d'aujourd'hui avec un travail sur ce qu'on appelle le muscle pyramidal, avec la position pigeon en yoga, en français. On vient se mettre à quatre pattes. La jambe droite vient passer devant la jambe gauche. On va venir descendre. Alors attention sur cet exercice, l'idée c'est pas de descendre le plus bas possible, mais c'est de ramener le genou en extension, le plus haut possible. Et vous allez voir que plus le genou est haut, plus ça va tirer au niveau de la hanche. On descend, on pose les coudes au sol, on redresse un petit peu la tête. Vous inspirez à fond, on gonfle. Et vous soufflez, on relâche. Vous inspirez à fond, on gonfle. Et vous soufflez, on relâche. Je vais vous inviter à avancer votre bras gauche et le bras droit, on va venir le descendre dessous. On gonfle et on souffle, on relâche la tête. Même principe, on va venir se redresser sur notre bras droit et on va passer notre bras gauche dessous. On inspire,
On souffle. Pouvez-vous redresser? On passe à quatre pattes de cette position-là. Et on va faire exactement le même exercice de l'autre côté. On plie la jambe gauche. On tend la jambe droite. On ramène notre cheville venant vers notre main droite. Et on va venir descendre sur nos coudes. Vous inspirez. On souffle en vide. Vous inspirez. On souffle en vide. On reprend ce qu'on a fait. On vient se redresser sur le bras gauche. Avec le bras droit, on va venir passer sous le bras gauche. Et on laisse tomber la tête. Vous inspirez à fond, on gonfle. Et vous soufflez. Et une dernière fois, vous inspirez. Et vous soufflez. On se redresse. Et au contraire, on vient passer avec le bras gauche sous le bras droit. Et vous inspirez à fond, on gonfle. Et vous soufflez en vide, on relâche. Et une dernière fois. Et vous soufflez en vide, on relâche. On peut se redresser à quatre pattes. Et nous allons passer assis pour la fin de notre programme de la journée avec un petit exercice de méditation. Je vous invite à vous mettre en tailleur, à poser le dos des mains sur les genoux, à inspirer profondément par le nez et souffler ce que vous avez accumulé par la bouche. On relâche les doigts, on relâche les genoux, on creuse un petit peu le bas du dos, on se redresse. Comme la première fois, je vais vous inviter à vous focaliser sur votre respiration. Expiration. Essayez de suivre le mouvement de votre thorax, le glissement de l'air par les parois nasales, l'éméa, le nasopharynx. Ça descend jusqu'à vos poumons et ça fait gonfler la cage thoracique. Le diaphragme descend et gonfle votre abdomen. Quand vous expirez, c'est un mécanisme de relâchement. On vide tout ce qu'on a accumulé à l'expiration. Essayez de vous concentrer sur la respiration, sur l'entrée de l'air, la sortie de l'air. Si vous avez du mal à visualiser ça, n'hésitez pas à poser les mains sur votre thorax, sur votre abdomen, et suivre les mouvements de votre thorax et de votre abdomen avec la respiration. Encore une fois, si votre esprit s'évade, si vous partez dans des pensées, si vous n'êtes plus présent avec nous, ce n'est pas grave, il ne faut pas s'en vouloir, il suffit de vous en rendre compte et de revenir sur votre respiration, tranquillement. Sur ces deux premières approches de méditation, l'idée va être de se focaliser sur la respiration, et juste celle-ci. Je vous laisse continuer cet exercice autant que vous pouvez.